Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, je vous recommande mon mari Bernard qui a été hospitalisé. Et puis mon Dieu, faites pour le mieux, faites qu'il ne souffre pas et que tout aille pour le mieux possible. Je demande à la Vierge Marie, à Saint-Joseph et Sainte Bernadette d'intercéder auprès de Jésus pour qu'il garde la santé à Jean-Christophe et qu'il l'aide dans son travail. Vierge Marie, merci pour tout ce que vous avez fait déjà pour nous et priez encore, Vierge Marie, pour l'état de santé de ma mère, l'état physique et mental. Notre-Dame de Lourdes, je vous confie mon frère Jacques, atteint du cancer du côlon et qui est opéré demain, jeudi, et je vous demande de veiller sur lui, de veiller à ce que tout se passe bien et de veiller sur sa famille, sur sa femme et ses enfants. Merci Notre-Dame de Lourdes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Le Seigneur soit avec vous. En ce jour où nous fêtons Saint-Luc, l'évangéliste qui est aussi le narrateur dans le livre des Actes des Apôtres des premiers développements de la mission chrétienne après la Pentecôte, je vous accueille à la grotte de Lourdes, vous qui êtes ici présents et vous qui nous rejoignez par les moyens modernes de communication. Alors que nous sommes entrés dans l'année de la foi et que se poursuit à Rome le synode sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne, nous allons méditer les mystères lumineux du rosaire, afin de trouver en eux un nouvel élan pour être de meilleurs témoins de l'Évangile. Et nous prierons le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Avec vous qui êtes malades ou isolés, avec vous qui êtes prisonniers ou au soir de votre vie, avec vous qui êtes chez vous, vous qui êtes en voyage, vous qui êtes hospitalisés et vous qui êtes rassemblés à quelques-uns pour nous rejoindre en cette heure, prions pour que l'évangile de lumière habite plus profondément nos cœurs et nos vies et que nous en soyons des témoins plus assurés et plus joyeux. Prions pour que la parole du Seigneur résonne plus profondément dans les cœurs et suscite de nouveaux disciples du Christ partout sur la terre. Prions pour toutes les intentions que nous avons entendues en ouverture à ce temps de communion dans la prière et pour ceux que nous portons en notre cœur. Premier mystère lumineux, le baptême du Seigneur. Jésus venait d'être baptisé par Jean, et voici que les cieux s'ouvrirent. Jésus vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Dans la lettre Porta Fidei pour l'année de la foi, Benoît XVI dit « La foi est l'acte par lequel nous décidons de nous en remettre à Dieu en pleine liberté. » Prions pour que l'Église trouve partout dans le monde les chemins d'une évangélisation nouvelle et pour que les chrétiens soient des témoins joyeux et confiants de la bonne nouvelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le Fils bien-aimé du Père, Jésus, votre enfant, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et celui qui est le Fils bien-aimé du Père, Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et celui qui est le Fils bien-aimé du Père, Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula, séculorum. Amen. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous, par l'intercession de la Vierge Marie, d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. À Cana, en Galilée, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Le maître du repas goûta l'eau changée en vin, tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Benoît XVI dit dans Porta Fidei « Le cœur indique que le premier acte par lequel on vient à la foi est don de Dieu et action de la grâce » qui agit et transforme la personne jusqu'au plus profond d'elle-même. Dans notre prière et par l'intercession de la Vierge Marie, nous présentons au Seigneur nos communautés chrétiennes locales pour qu'elles sachent se tenir à l'écoute des attentes des hommes de ce temps et prions pour que chacun de nous ose proposer la foi autour de lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, attentif aux besoins des hommes, votre enfant est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, attentif aux besoins des hommes, votre enfant est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, attentif aux attentes des hommes, votre enfant est béni. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dans ta sagesse admirable, Père très saint, tu as voulu que la Vierge Marie, Mère de Jésus, soit présente au mystère de notre salut. Accorde-nous de suivre fidèlement ses conseils et de faire ce que ton Fils unique nous a enseigné dans l'Évangile, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Benoît XVI dans Porta Fidei dit, « Par la foi, au cours des siècles, des hommes et des femmes de tous les âges, dont le nom est inscrit au livre de vie, ont confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus là où ils étaient appelés à donner le témoignage de leur être chrétien. » Dans notre prière avec Jean le Baptiste, nous prions pour les enfants, les jeunes et pour les catéchumènes, et nous prions aussi pour ceux qui sont persécutés en raison du Christ et de l'Église, et nous demandons le courage de la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le messager de la bonne nouvelle, votre enfant est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le messager de la bonne nouvelle, votre enfant, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le messager de la bonne nouvelle, votre enfant, est béni. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Que ton peuple exulte toujours, Seigneur Dieu, car ton Esprit Saint renouvelle la jeunesse de son âme. Joyeux d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale qui l'attend désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. De la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Dans Porta Fidei, Benoît XVI dit, « Puisse, cette année de la foi, rendre toujours plus solide la relation avec le Christ Seigneur, puisque seulement en lui se trouve la certitude pour regarder vers l'avenir et la garantie d'un amour authentique et durable. » Prions avec tous les hommes de bonne volonté pour que l'Église aille à leur rencontre et poursuive parmi eux l'aventure de la foi inaugurée par les actes des apôtres. Prions aussi pour ceux que défigurent l'angoisse, la détresse, la douleur ou la violence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, en qui s'est dévoilé l'amour du Père, votre enfant est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et celui en qui s'est dévoilée la lumière du Père, Jésus, votre enfant, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et celui en qui s'est dévoilée la plénitude du Père, Jésus, votre enfant, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria patri et filio, et spiritui sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dieu qui a choisi saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul corps, un seul être et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Pendant le repas, Jésus reçut une coupe et après avoir rendu grâce, il dit « Prenez-la et partagez entre vous, car je les déclare, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Dans Porta Fidei, Benoît XVI dit « Nous croyons, avec la ferme certitude, que le Seigneur a vaincu le mal et la mort. Avec cette confiance assurée, nous nous en remettons à lui. » Portons dans notre prière les chrétiens, afin qu'ils trouvent dans l'Eucharistie la force de vivre selon l'Évangile. Et prions pour que les hommes travaillent, pour que le travail des hommes contribue à faire advenir un monde plus juste et plus fraternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui se donne pour que les hommes aient la vie, votre enfant est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus qui se donne pour que les hommes aient la vie, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et celui qui se donne pour que les hommes aient la vie, Jésus, votre enfant, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Seigneur, dans l'alliance instaurée par ton Fils, tu ne cesses de te former un peuple qui se rassemble dans l'Esprit Saint, sans distinction de race et sans frontières. Accorde à ton Église d'accomplir sa mission universelle, qu'elle soit le ferment et l'âme du monde, pour que devienne la famille de Dieu, toute l'humanité renouvelée dans le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Saint-Luc et Sainte Bernadette, saints et saintes de Dieu, témoins du Christ. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Avec insistance, la dame trois fois a dit pénitence, chrétien, c'est pour toi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. À cette fontaine, venez et buvez, dans l'eau pure et saine, allez vous laver. Ave, Ave.